Honorables invités, mesdames et messieurs, la session m'offre l'occasion d'attirer votre attention sur les réformes que le réseau consulaire souhaite entreprendre au cours des prochaines années et qui sont en harmonie avec le cadre stratégique de refondation de l'État. Il s'agit de constituer une base de données sur l'ensemble des exploitations agricoles familiales et des entreprises agricoles au Mali à travers l'enregistrement des entreprises agricoles et la géolocalisation des parcelles. Ce qui permettra d'offrir aux exploitations un système d'identifiant unique permettant de les faire relier aux banques, aux institutions financières et aux systèmes d'assurance existants. Délivrer des cadres professionnels sécurisés aux exploitants agricoles disposant d'identifiants uniques. Initier et soutenir la mise en place des coopératives d'utilisateurs de machines agricoles en commun, CUMA, en vue de faciliter les réalisations d'ouvrages collectifs pour l'approvisionnement en eau d'irrigation qui permettra de développer des activités économiques les 12 mois de l'année. Prendre des textes pour favoriser les achats institutionnels et encourager la mise en place des centrales d'achat. Honorables invités, mesdames et messieurs, la mise en œuvre de ces chantiers demande la concrétisation des financements à travers la loi de programmation des dépenses et des investissements. Pour y parvenir, nous comptons sur tout le gouvernement qui a déjà mis en œuvre pour faire démarrer la réflexion autour d'un sujet aussi capital. Les prévisions budgétaires de l'APECAM pour 2023 sont autour de 5 milliards de francs CFA, dont 30% pourraient être financés sur ressources propres. Ces ressources propres seront mobilisées à travers la délivrance de cartes professionnelles et les prestations diverses des coopératives d'utilisateurs de machines agricoles. Aujourd'hui, nous sommes engagés et confiants en l'avenir au moment où nous présidons la présente cérémonie d'ouverture de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. La tenue de cette session m'offre l'occasion de remercier et de féliciter l'ensemble des élus consulaires ainsi que tous les travailleurs des services techniques du secteur du développement rural pour les efforts fournis. Mesdames et messieurs, honorables invités, les chambres d'agriculture constituent auprès des pouvoirs les organes consultatifs et professionnels représentant les intérêts agricoles. À ce titre, elles donnent leur avis à la demande des pouvoirs publics ou formulent des suggestions de leur propre initiative sur les questions agricoles ou relatives au monde rural en tant qu'établissement public à caractère professionnel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ce rôle d'interface que jouent les chambres d'agriculture entre les pouvoirs publics et leurs ressortissants exige d'elles la tenue régulière et dans les délais les sessions et réunions statutaires dans le strict respect des textes. Durant les 3 jours de travaux, vous aurez à examiner plusieurs dossiers. L'examen et l'adoption du procès-verbal de la session d'installation, l'examen et l'adoption du rapport bilan 2021 et du rapport financier 2021-2022, l'examen et l'adoption du projet de programme d'activité et du budget. Les divers qui porteront sur les problèmes et les difficultés liées au fonctionnement du réseau des chambres d'agriculture du Mali. C'est là que je voudrais m'adresser à la Chambre. Je souhaiterais qu'ensemble, vous tous, que vous travaillez dans une synergie d'action afin que le Mali puisse en profiter.